Wafalamiri et nos amis du CGP. Je pense à ce que tu as dit, il n'y a presque rien à ajouter, sauf que la confirmation de la part de nous, de la CAS, et je suis sûr que notre président, M. Petterin, va le confirmer, en croyant en vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que jeunes entrepreneurs, et je pense le fait que notre président a accepté de revenir en Tunisie dans cette situation assez particulière, signifie aussi notre solidarité, notre soutien, pas qu'au niveau de la Konrad Adenauer Stiftung, mais aussi en général, en ce qui concerne l'Allemagne, pour cette réussite que la Tunisie doit réaliser d'ici les années à venir. Encore une fois, nous sommes très contents de ce partenariat qui est plus qu'un partenariat. Nous sommes vraiment des accompagnants, je pense, de ce développement et de votre développement dans l'avenir. On espère que la Tunisie, en ce qui concerne les réformes, bien sûr, à appliquer, mais aussi le changement, comment traiter les problèmes, comment accepter les défis et les problèmes et les responsabilités, va développer. Nous sommes très heureux que notre président est parmi nous et je nous souhaite tous une soirée fructueuse, dynamique, qui regarde l'avenir de la Tunisie et de ses mandats 2015-2017. Merci beaucoup, Paul Claude.